Donc 3-4, ça va être. On a eu un bateau qui a échoué. Qui est garé là, sur les bords du Rhône. En gros, le mec, il a une sonateur d'enchaînement. Peut-être un appui pour aller ton jour. Oui. Je sais pas. Demande-lui, moi je sais pas. Je sais pas tout, il dit moi. Joli BTU, les gars. Attends, je fais une vidéo là. Camion secouroutier. Des interventions urgentes, c'est rare. Un joli petit CCFM. Tout nouveau, il est arrivé il y a une semaine à la caserne. Une grande échelle, plus de 30 mètres. À moins t'as plus de 30 mètres d'hauteur. Donc là, il y a des extincteurs. Il y a deux petits extincteurs. Après, il est calme là, parce que quand l'échelle monte, bah, c'est instable. Pas que le camion se renverse. Là, on peut prendre un équipier, un chef d'agré et un conducteur. Un joli FPT. FPT, ouais. Donc là, il y a une petite salle de sport. Toujours le FPT. Et le joli camion. Ma copine, du coup, elle baignait entre guillemets dans les pompiers, vu que c'est ma vie. Et elle me dit, je vais bien, mais je ne peux pas. Donc ça, c'est le FVSP VRS. M. PSRM pour le secours routier, dedans il y a une pince hydraulique pour couper les voitures accidentées, les extincteurs aussi, de RI, une échelle. Voilà. Ce gars qui ouvre la portière, il fait tomber son ballon. Il saute pour récupérer son ballon. À ce moment-là, il y a une voiture qui est passée, mais il a ramassé son ballon, la voiture est passée là. Et vraiment, à 20 cm près, c'était une catastrophe. Voilà. Attendez, je vais vous montrer aussi le. Je sais pas, je vais vous montrer le bateau. Je vais vous montrer le bateau et la voiture du médecin. Bon, je pense que vous connaissez tous les CCF, enfin les VSAV, pardon. Le secours médical pour le médecin qui vient juste de rentrer, d'Inter. Avec la VLHR pour service tout usage. Après, derrière, il y a le bateau, je sais plus si je vous l'ai montré ou pas. Il y a un mannequin pour faire les manœuvres.
Un petit bateau. Oui. Je sais pas ça. Là, il y a un petit sac. Avec des palmes et tout. Ouais, je sais. Allez, viens, Elio. Les sacs et tout. Après, là-dedans, il y a des tenues pour plonger, des plongeurs. Donc là, ben, si vous savez pas, mais je suis à la caserne de Saint-Vallier, dans la Drôme. Voilà. Donc là, il y a le CCFM. Après, il y a plein de dividoires, harnais pour les RI, un RI, des tuyaux de réserve, ou qui sont enlevés car ils sont percés, des roues, des petits dividoires, des petits tuyaux. Une roue de camion pour taper avec une masse dessus. Pour pas les non, bus. À la maison, on va montrer toutes les photos. Oui, voilà. Donc là, voilà, ça c'est l'arrière de la grande échelle. Petite salle de sport. Voilà, ça c'est. Les pompiers, ils laissent leur veste ici quand ils rentrent de feu, car elles sont sales, du coup, ils les lavent. Ils mettent un coup de jet d'eau, ils frottent un coup de jet d'eau. Si c'est pas assez propre, et ben, ils refont. Ils envoient au centre de balance dans un sac. Balance leur envoie une tenue propre. Tiens, ça c'est le casque du chef d'agri. Un casque pour le feu de forêt. Voilà. Bon, je pense que je vais vous laisser là. Hop, bonne, ben, peut-être la semaine prochaine, une autre vidéo. Au revoir.